Quand les nouvelles sont arrivées, j'ai senti une incapacité paralysante d'accepter ces significances. C'est comme une vie de dévotion, des jours d'amour et tout que je sais. Stéphane était en train d'arriver chez lui, comme d'habitude, d'après semaine après des semaines de voyage. D'après le télégramme, le train n'est jamais retourné. Je soupçonne que l'engourdissement que je me sens est seulement temporaire, que prochainement je vais être indonné avec d'émotion. Le vide que ces nouvelles m'apportaient est déjà devenu d'entendre. Juin 1935. Aujourd'hui, Stéphane m'a demandé de l'épouser. Contre mes souhaits, j'ai accepté, pratiquement parce que ma père m'a quitté sans une autre alternative. Je réalise pour une femme jeune, c'est une offre sauf et raisonnable qu'on m'a donnée. Mon père dispute qu'il pourra fournir pour moi. Avec le temps, je me développerai un amour pour lui. C'est que mon père néglige de réaliser que je suis seul peu concernée avec ces choses. Plus que n'importe quoi, je souhaite de satisfaire mes propres rêves, faire mes propres décisions. Le temps ne jouera aucune part de mon mariage. Pour que je sois certain que je ne vais jamais aimer Stéphane. Peut-être je suis encore en choc, mais je crois qu'en ce moment, quelque chose en moi gonfle avec quelque chose similaire de l'espoir. On me trouverait curieusement en paix. Mais c'est une joie que je ne savais depuis longtemps. Ma chérie, je ne crains pas contre vous. Je rêverai sur le prochain train un jour plus tard. Prépare-toi pour mon arrivée, s'il te plaît. Ton Stéphane. Il n'aurait personne pour lequel de vivre pendant les années venant. C'est étrange. Pour l'instant, il me semble qu'un mot peut passer mes lèvres. Libre.